Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire la mise à jour de votre iPad vers la nouvelle version qui est sortie aujourd'hui, iPad OS 14. Alors vous allez voir, c'est très simple, on se rend dans Réglages. Ici dans Réglages, vous arrivez directement dans l'onglet Général. Ici en haut, vous avez Informations et juste en dessous, Mise à jour logicielle, vous cliquez dessus. Et ici apparaît la mise à jour de iPadOS 14. Alors vous remarquez qu'elle fait 2,5 gigas. Donc assurez-vous d'être connecté en Wi-Fi pour faire cette mise à jour. Sinon vous risquez de consommer allègrement votre forfait 4G. Vous pouvez en lire la description si vous voulez, tout ce que ça va apporter. Et ensuite, vous cliquez sur Télécharger et installer. Le code que vous utilisez pour déverrouiller votre iPad vous est demandé, donc vous le tapez. Et ensuite, le téléchargement va commencer. Vous acceptez les conditions générales, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, vous ne devez pas tout lire. Bien sûr, ça vaut la peine une fois de les lire, mais bon, c'est du juridique. On accepte une deuxième fois. Et voilà, le téléchargement commence. Les 2,5 Go vont être enregistrés sur la tablette. Une fois ces 2,5 Go téléchargés, le processus de mise à jour va commencer et là, vous laissez les choses se faire. Votre iPad va redémarrer et une fois qu'il aura redémarré, il vous suffira de suivre les instructions affichées à l'écran pour pouvoir comprendre les nouveautés et paramétrer iPadOS 14. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai une présentation des nouveautés d'iPadOS 14. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce bleu pour dire si cette vidéo vous a plu. Et à une prochaine pour une nouvelle vidéo.